السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد لا فيديو جديده. دايوغ لو سوجي ديال هاد لا فيديو غادي يكون مختلف على لا ديرنيير فيديو اللي كنت هضرت على ان سوجي ديال ديفلوبمون بيرسونيل اللي هو لا تيميديتي وكيفاش نحاولوا نجيريوها ماشي نقولوا نحيدوها. En fait, j'espère, si vous voulez bien que je continue à faire le type de contenu, à trouver des suggestions. Elle a des sujets, les moyens de parler. À part ça, le sujet de l'Yoma a dit qu'on doit plutôt les études en France, pas forcément pour Campus France ou la procédure de visa. J'ai prévu déjà une ligne des lives, elle a ouvert le sujet là-dedans parce qu'on a des questions-réponses rapidement. Alors, au lieu de manger des vidéos, le sujet de l'Yoma a dit qu'on plutôt les métiers les plus demandés en France. Et là, je suis allée te dire à ce sujet Lyon parce que j'ai trouvé que j'ai pas mal de personnes, j'ai pas mal de candidats, des bacheliers, surtout les qui sont au Loni, et surtout les bacheliers qui connaissent, ils ne sont pas bien orientés, mais en fait, je suis vraiment, je suis dans le domaine des barines des Lyon. Ou il ne faut pas oublier, même pour les qui ne sont pas des bacheliers, qui ont déjà fait des formations, de licence, master, il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, ce n'est pas l'équilibre entre la formation d'Yana et ce qui demande des flots marchés du travail en France. Et aussi, il faut trouver avec l'équilibre d'Yana une formation liée. Il va t'accepter, même si avec ton dossier moyen, ou là des fois même faible. Et en même temps, une formation, vous avez les obstacles au moment où il y a un changement de statut. Parce que on est bien d'accord qu'il y a les étudiants en France, ce n'est pas pour retourner après au Maroc. Enfin, la majorité, si je ne dis pas tout le monde, la totalité des campusiens et campusiennes, ils ne comptent pas revenir après les études. Et du coup, comme dire la formation, les trucs après un changement de statut. Donc, il y a une introduction. Le sujet est vraiment très très important parce que il a d'abord l'essentiel une formation croyez-moi, après mettre ça que ce soit que tu fais le master ou la licence ou la peu importe. Après, mettre les études d'IAL, quand on va discuter vraiment, ou je vais dire que la formation leadership, ou je vais dire que le bon choix, ou je vais dire que la formation leadership, c'est votre avenir, c'est vraiment ça, c'est pas une formation leadership comme on sache. On a fait quelques recherches, en fait, les domaines de Mkboulin en général, l'informatique, je sais pas, mais on a fait une recherche où. Comme vous savez bien que qui est venu vraiment une chauffe LinkedIn et Snooki Google, et du coup la source les informations qu'on a fait comme Lyoma a dit qu'on met LinkedIn, ça veut dire les métiers les plus demandés en France selon LinkedIn. Et bien sûr, ce qui est logique, c'est que LinkedIn, déjà d'abord, ils ont dit comme quoi depuis 2017, la moitié de la population active. En France, traite LinkedIn et du coup, il a vraiment, si vous voulez, une référence. Les domaines les plus demandés. En fait, les domaines qui se basent surtout sur la technologie, les domaines en général, les premiers métiers demandés en France, les plus demandés en France, mais d'abord les principaux domaines des métiers. Plutôt le domaine de la protection des données. Après, il y a tout ce qui est technologie, secteur de technologie. Après, il y a le domaine du marketing et publicité. Et puis, le domaine du conseil en gestion. Alors voilà, et toujours selon LinkedIn, le premier métier qui chauffe LinkedIn, il est très demandé sur le marché français, c'est le métier de délégué de protection de données. Et d'ailleurs, LinkedIn qui chauffe le métier, c'est logique, on a eu qu'on classe le LOL. Elle est, je la cache depuis 2018, quand on a la modification sur le régime qui gère tout ce qui est protection de données.
Et du coup, comme si la vague de recrutement dans le domaine, surtout les délégués de protection de données, le nombre de délégués de protection de données, il a été multiplié par 32 depuis 2015. Et du coup, il voit que c'est normal, ou surtout le métier qui est recruté surtout les secteurs de l'administration publique, les technologies et services de l'information, les banques, les hôpitaux et les assurances. Et du coup, il a surtout oublié qu'il y a des débouchés par le métier des délégués de protection de données. C'est pour ça qu'il a été classé en premier. Ou un instant, entre parenthèses, quand je regarde la vidéo, ma voiture est trop observée, il a toujours intéressé. D'abord, on va parler des métiers les plus demandés, mais après, on va donner comme une autre vidéo. Ok, on a fait les métiers les demandés. Est-ce une spécialité est-ce une formation est-ce une possibilité de postuler pour ce genre de métier? C'était juste entre parenthèses. Et là, quand tu es intéressé, laisse-le les commentaires. Et voilà, d'abord, on passe le deuxième métier. Le deuxième métier, ingénieur en intelligence artificielle. Ce que je peux vous dire, c'est que selon LinkedIn, les postes d'ingénieur en intelligence artificielle ont été multipliés par 16 ces 4 dernières années. L'IA et le machine learning, c'est très connu, ils sont devenus incontournables. Ça veut dire que même si même depuis 4 ans, ma ça avec le rythme du recrutement. C'est sans surprise, surtout Paris, qui chauffe LinkedIn, c'est à Paris qu'il y a plus d'opportunités, parce qu'il y a comme quelqu'un qui offre le domaine. Bien sûr, en général, Paris, il y a quelqu'un qui offre plus d'offres. Il y a quelqu'un qui offre plus d'offres, que ce soit pour tous les domaines. D'abord, on va passer au prochain métier. Le prochain métier, c'est agent d'immobilier. Et bien sûr que nous sommes à l'Afrique, en général, c'est très connu, que la chose la le salaire dialogue, la chose qui te parle le salaire dialogue, bien sûr, il y a le loyer. Et du coup, tout ce qui est immobilier, France, on l'observe, surtout il a donné à la Paris. Du coup, les taux selon LinkedIn, il y a l'explication de les taux d'intérêt très faibles les dernières années, la demande des agents immobiliers augmente à bzaf. Et aussi, selon LinkedIn, le prix du mètre carré Paris ne cesse que d'augmenter. Et du coup, qu'il y ait plusieurs villes, la recherche de logements, surtout quand on a la recherche de logements, quand on a l'agent d'immobilier, ça veut dire qu'on a droit à un rachat, mais si elle a une location. Voilà. Et voilà, le prochain métier où à chaque fois je nous vois le métier et je suis là. Le customer success specialist ou selon LinkedIn, le métier il possède à la, yani le la personne qui fait le poste elle doit posséder à la fois des compétences interpersonnelles et aussi des compétences techniques. Que ce soit la gestion, la relation client, les logiciels, ça veut dire que je suis polyvalent. Surtout en tant que service SaaS, ce poste particulièrement demandé à Paris. Bien sûr, tu peux trouver d'autres postes d'autres villes, mais il y a plus d'offres qu'il y a surtout à Paris ou en général en Île-de-France. Le prochain métier est le community manager. Parmi ses compétences principales, le Photoshop, marketing, et sur LinkedIn, le fait de l'importance, le métier, j'ai fait le classement, les 10 premiers métiers les plus demandés en France, c'est parce que l'importance et l'image de la marque sur les réseaux sociaux, et voilà qui bride un projet qui soit présent sur les réseaux sociaux et aussi son rôle qui n'a jamais
était aussi crucial selon LinkedIn et du coup il a brisé tout le cas au département la matière bon parce que dire une formation liée en général dans la tout ce qui est marketing tout ce qui est modification de l'image et tout l'imagerie et moi bon, en général il a brisé comme une vidéo comme elle a la qui fait tout slow le il y a des bouchées à faire, que ce soit dans la vidéo ou là, des bouchées, les gens m'ont pris tout le temps, les formations, les spécialités, comme une vidéo, un indice de recherche, déjà un indice de connaissances, que ce soit le domaine d'Yali, ou là, quelques domaines des collègues d'Yali ou là, des amis, ou il y a quand même des choses que je m'en rappelle, je peux faire des indices de recherche, je me souviens de ce qu'il y a. Le métier léger, mais bête, ingénieur en fiabilité du site. Ou je pense, Pali Anna, ou le marat, le métier, fiabilité du site. Bon, un ingénieur en fiabilité du site, ouais, c'est un responsable de l'exécution des processus opérationnels et du développement sur les sites internet, les applis. Enfin, l'ingénieur en fiabilité dispose des compétences applicables à d'autres postes d'ingénieur. Ça veut dire pas forcément les sites ou les applications, mais qu'il y a d'autres postes. Ou ce type de poste, encore une fois, il est particulièrement demandé à Paris. Cette fois-ci, ma chère Paris, Nice, Nantes, Lyon et Lille. Donc, à Douma, les villes, vraiment, très grosse visite, il a qu'une foule de temps, une formation pareille. Le prochain métier, spécialiste en cybersécurité. Selon LinkedIn, il rappelle que la cybersécurité est d'une importance capitale pour toutes les entreprises. Ça veut dire, tant que ça du compliqué à les entreprises, donc. Maintenant, j'ai le fait qu'il est demandé, il est beaucoup plus demandé que d'autres domaines. Du coup, la présence des spécialistes dans cette liste n'est donc pas surprenante. Donc, c'est normal qu'on soit classé parmi les premiers métiers demandés en France, où il est vraiment droit à les villes où la demande est forte, bien sûr. On va pas répéter Paris, mais cette fois-ci à Toulouse et Chambéry. Et Chambéry, c'est vraiment une toute petite ville. Le prochain métier, c'est ingénieur DevOps. Et un ingénieur DevOps, selon LinkedIn, il doit obligatoirement collaborer avec d'autres ingénieurs, les développeurs surtout des logiciels, les opérateurs système et les autres membres de l'équipe. As-tu, enfin. باش الخدمه ديالو تكمل خاص ضروري يكون ليكزيستونس ديال باش يقدر يكون واحد سوبرفيزي لانفراستركتور انفورماتيك دو سون اورغانيزاسيون سا فو دير الي امبورطون في دون سيرتين امبورطونس في كاع لي زونتربريز مي خاص ضروري يكونوا مع هاد لو ديفلوبور لوجيسيال اي كيما بدا لي زوبيراتور دي سيستيم فوالا لو بروشان ميتي سي انجينيور داتا. Et principalement les ingénieurs data, selon lesquels ils créent et entretiennent surtout les infrastructures permettant aux entreprises de classer les données, la tech et la banque, les secteurs qui emploient le plus des ingénieurs data. Et c'est toujours d'après LinkedIn. Et puis, pour terminer, le dernier métier de l'entraînement, Data Scientist, qui bien sûr, c'est très très connu. Et ça fait pas partie de mon domaine à moi, mais il n'est pas très loin. Des fois, enfin, le domaine d'Yali, c'est l'actuariat, mais Data Science, genre, c'est un domaine qu'on peut dire en tant qu'actuaire. Et il a pris une vidéo, il a fait le domaine d'Yali, le parcours d'Yali en général, le traitement et tout ce que vous voulez, laissez-le dans les commentaires. Bon, les data scientists s'occupent surtout des analyses et l'interprétation des données, bien sûr, où selon LinkedIn, 76% des postes se trouvent à Paris. Mais ça n'empêche que qu'il y a d'autres villes, les firmes qui ont le recrutement. Et les offres Moujoudine, Lille, Lyon, Toulouse, qui sont des grandes villes.
Et aussi Grenoble, ces derniers temps, selon LinkedIn, il y a une forte demande. Il y a les data scientists ou un an. Si je vous conseille, s'il y a un domaine, les 10 domaines ou les 10 métiers, je vous conseille de faire le métier de data science, data scientist. Parce que vraiment, ma radis après le recrutement ou le changement de statut. Voilà, je pense à la vidéo d'Elisa. Là, c'est ma prochaine tour d'aller comme Steph. Ou il a quand même des suggestions qui font dès le début de la vidéo, que ce soit les sujets du développement personnel, que ce soit des vidéos les prendre à chaque fois là. Qui fait nous slow le débouché, qui fait nous slow le métier, voilà, je le parcours académique qui reste connu maintenant, parce que nous devons postuler, j'ai tout la vidéo du changement de statut, les comptes de télécom, parce que un changement de statut, parce que le travail dans le domaine les créateurs, yani, mais quand je travaille حاجة, ou travaille في أي حاجة, غير باش يعني la préfecture ما كتقبلش. Et voilà, j'espère que la vidéo vous fait comme je suis, vous avez une idée sur tous les bacheliers qui sont l'université, les gens qui sont en première année bac ou les gens qui ont le bac ou qui sont là. J'espère que vous avez comme je suis, ou les gens qui ont des questions, je vous conseille de vous mettre directement sur Instagram ou de vous laisser les commentaires. Et voilà, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine.